Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Nathalie Lassalle, je suis conseillère municipale et présidente de la commission spéciale qui chapeaute le très beau projet Vivons Saint-Jérôme. Vivons Saint-Jérôme? Vivons Saint-Jérôme! Vivons Saint-Jérôme! C'est quoi ça, Vivons Saint-Jérôme? C'est le thème qu'on a choisi pour nommer la démarche de participation citoyenne pour la révision du plan d'urbanisme et l'élaboration du tout premier plan de mobilité durable de la ville. Et c'est quoi ça, le plan d'urbanisme? C'est le document qui permet au conseil municipal de prendre des décisions en matière d'aménagement. On construit où, on protège quoi, où et comment. En d'autres mots, c'est le principal outil de référence pour l'aménagement de nos quartiers. Quant au plan de mobilité durable, il va nous permettre d'élaborer des solutions favorisant les déplacements à pied, en vélo et en transport en commun. Avec l'université, le cégep, l'hôpital, le centre-ville, les secteurs industriels et commerciaux, les milieux naturels, Saint-Jérôme est devenu un important pôle de service. Et sa forme urbaine particulière représente un enjeu de taille. L'adoption d'un plan de mobilité durable va donc nous permettre d'effectuer le virage nécessaire vers les tendances basées sur la réduction de la dépendance à l'automobile. Et toute cette belle planification doit se faire à partir d'une vision commune. On veut connaître vos points de vue, on veut vous entendre et on a besoin de vos idées. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vivre ici? En 2020, on a choisi de s'éloigner un peu de Montréal, d'avoir une vie de famille beaucoup plus calme. Il y a la gare, il y a le bus, il y a tous les commerces possibles. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement de Saint-Jérôme? La tranquillité. Oui. Oui? Ah oui, oui. Tranquillité. Les activités, le quartier 50. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez peut-être un petit peu moins de la ville? Il y a certains coins qui ont un petit peu plus d'itinérants, on pourrait dire. Surtout pendant l'hiver, la fréquence de déneigement. On aimerait bien que ce soit amélioré. Est-ce que vous seriez capable de me décrire Saint-Jérôme en moins de 5 mots? Ben, moins de 5 mots, c'est dur à dire. La réparation des rues, ça veut dire. Le premier mot qui vous vient en tête quand on vous dit Saint-Jérôme, c'est quoi? Le cégep. La diversité. Dynamique. Vivons Saint-Jérôme. 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 Vivons Saint-Jérôme.